Et vous pensez que le choix de la sûreté n'a pas été prioritaire dans le cas japonais ? Je pense que, si vous voulez, il y a dans le cas japonais un certain nombre de mesures qui auraient pu être prises et qui n'ont pas été dans le passé. Encore une fois, pour quelle raison ? Écoutez, ça, il faudra que ça sera aux Japonais après de faire leur analyse et leur critique de ce système. Il y a effectivement un certain nombre de défaillances à la fois dans l'organisation, dans le suivi de cette centrale. Ça sera aux Japonais de faire ce travail. C'est à la communauté internationale de leur demander de faire ce travail et de s'assurer que ça ne se reproduira pas.